Affaire Richard Berry, Colin Berry dévoile en détail faits incestueux qu'aurait eu son père avec elle. L'affaire Richard Berry est loin d'être terminée. En 2021, Colin Berry avait porté plainte contre son père et son ex-compagne Jeanne Manson, pour viol sur mineur de 15 ans par ascendant, agression sexuelle sur mineur de 15 ans et corruption de mineurs commises en 1982 et 1986. Le 31 août dernier, sa plainte a finalement été classée pour prescription. Une déception pour la cousine de Marie-Lou Berry qui avait révélé son calvaire dans les médias. Mais celle-ci n'a pas encore dit son dernier mot, comme le révèle Le Parisien. Ce mercredi 9 novembre, Colin Berry se retrouvera encore au tribunal lors d'une audience en appel pour sa condamnation pour accusation mensongère d'inceste. En avril dernier, elle avait été condamnée à verser la somme de 20 000 euros à son ex-belle-mère, Jeanne Manson, qui avait porté plainte pour diffamation. Alors que l'enquête a été bouclée, Le Parisien en dévoile les détails dans ses colonnes. Le quotidien révèle notamment que Colin Berry, lors de son entretien avec les policiers, est revenu sur le jeu de l'orchestre que Richard Berry lui aurait imposé avec la participation de Jeanne Manson. « J'avais les lèvres entrouvertes et un bout de sanglant était dans ma bouche pour que je mime le souffle d'un instrument », a-t-elle expliqué, alors que la chanteuse américaine mimait des cymbales avec ses seins. Un jeu sordide et incestueux qui aurait fait partie d'autres sévices qu'aurait subi Colin Berry. Comme le rapporte Le Parisien, la fille de Richard Berry a confié que celui-ci lui aurait imposé de prendre des bains avec lui. Il lui demandait de le photographier nu sous la douche, explique le journal. Lorsqu'elle a atteint l'adolescence, l'acteur lui aurait touché les seins à travers ses vêtements et la qualifié de bandante. Peut-on lire? À l'âge de 8 ans, le mari de Pascal Louange aurait aussi demandé à sa fille de se mettre nue pour lui montrer comment contracter son périnée. Des agissements également relatés, comme le révèle Le Parisien, par une amie d'enfance de Colin Berry à qui cette dernière aurait confié ces choses qui la dégoûtaient comme des baisers sur la bouche avec la langue et des déambulations nues dans l'appartement. Maître Temim, l'avocat de l'acteur de 72 ans, a pour sa part tenu à rappeler que nul ne peut affirmer que, sans la prescription, M. Richard Berry aurait été jugé. Guillaume.